Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand nous sommes premiers, Sufat, première qualité qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala, première qualité, premier Sufat qui fait à nous gain comme un faux machon qui fait tout éloge pour Allah et que nous guettons sur l'importance basant le quantité fois les répéter de Coran, quantité fois les répéter de ban hadith, quantité fois les répéter de chaque posture de nous namaz, ça nous amène nous pour comprendre, pour méditer l'Olimo Rab. Chers frères et sœurs, quand nous disons Rabbana wa lakal hamd, honorable, pour toi tout éloge. De ce moment-là, de ce lieu-là, si je pas ressenti, qui, comme on peut dire, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Rabbana wa lakal hamd, honorable, pour toi tout éloge. Quand les prépositions viennent avant, tout fil al-hasra, veut dire les ispoulis. La cause nous dit l'illahi ma fi samawati. Nous ne disons pas ma fi samawati wal ardi lillah. Non, non. Nous disons l'illah. Amen préposition là avant. Wa fi samai rizqukum. Et dans l'échelle, il y a tout risque. Nous ne disons pas rizqukum fi sama. Quand les prépositions viennent avant, pour montrer nous l'importance et aussi c'est ça qui vient après là qui concerne. Rabbana honorab lakal hamd. Pour toi tout éloge. Ka damir mutasil. Ban prénom qui attaché. Laka. Nous servili. Pour un seul lui qui peut écouter nous. Nous pas dire la roue. La roue pour un roïb, un qui pas écouter, qui pas là. En d'autres mots, quand nous peut dire Rabbana lakal hamd, je suis dans cette conviction là, je ne peux pas écouter moi là. Je ne peux pas dire ça. Mais seulement en même temps, le temps m'ajoute avec lui que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit faire namaz, lui vire de Getsuman Sahaba, lui dire qui s'en n'a pas mis autre fin dire Hamdan, Kathiran, Toyiban, Mubarakan fi. Qui s'en n'a pas mis autre fin dire là? Qui s'en n'a pas mis autre fin dire en qualité éloge, Kathir, beaucoup. Toyiban, c'est ça qui est bon de l'éloge. Moubarak en fi et en barakat là-dedans. Veut dire tigit est égal à beaucoup. Qui est-ce qui dit ça? Un sahaba hésité et dit sur moi. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui était jali, me trouve 30 anges pélagués pour écrire ça en premier. Pélagués pour écrire ça en premier. Qui n'arrivait l'une d'écrire qui a fait éloge pour Allah. C'est pour ça que nous avons le premier mot qui vient de Quran, Alhamdou. Commencez là, commence Quran comme ça. Commence pas faire éloge. Alhamdou. Tout éloge. Pour qui ça n'a? Lillah.
Qui c'est Allah? Rabbul Alamin. Dans l'ayat là, quand vous dites, oui, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le mot Rab, le mot Rab. C'est parmi les mots arabes qui viennent qui peuvent avoir plusieurs significations. Veut dire, ou zis dans ce mot-là, ou bien comprendre que le mot robe, les dérivés de terbiya qui veut dire formation, le mot robe lui aussi veut dire le maître, le mot robe lui veut dire aussi, c'est lui qui connaît l'autre, bien obéir lui. Pour lier dans ces trois qualités-là, connaît lui-même qui nous crée, lui-même qui nous prend la responsabilité, lui-même qui donne la vie. Lui-même qui donne l'amour, lui-même qui protège, lui-même qui fait faveur, lui-même tout la frère, lui-même tout. C'est un capitaine Rob. C'est ça là qui est comme ça. C'est pour ça que dans l'aïa qui est dans Rob, nous vous trouvons plusieurs bonnes suffades, bonnes qualités vinies. Parce que le mot Rob englobe tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala qui vient permettre nous pour tenter de ramasser les chats, c'est quand l'imam vient amener ayat 68 de Surah Al-Qasas, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa Rabbuka » est un Rab. Connaissez-vous l'air là qu'on peut dire « ou Rab » ou vous avez ressenti sa fierté là. Pas peut dire « ou Rab » ensuite peut dire « ou il y a un manquement, il y a une faiblesse, ils ont besoin de quelque chose. » Pas peut dire où ça là. Peut dire où wa rabbuka et te rob yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Il crée ça qu'il y a envie. Et il y a mis choisir. Et il y a mis choisir. Comprends-le dans les deux sens. Dans le premier sens direct, veut dire c'est Allah qui crée et c'est lui-même qui choisit. Dans le sens figuratif, quand on trouve une création, qu'on dit Allah qui crée comme ça. Allah qui crée comme ça. Allah qui choisit pour vivre comme ça. Peine à n'en pour te étonner, peine à n'en y dire pour te trouver drôle, parce qu'il te comprend, qu'il te rompt, c'est lui-même Yahlokuma Yasha, il crée ça qu'il voulait. Wayartar, et de choisir. Ensuite, de dire, ma kana lahumul khiyara. Tu peux choix, toi. Tu peux choix. Frère, veut dire, là, nous prenons 10 lots strict minimum. Là, nous peut causer. Nous prenons les lots une madame qui envoie de famille. L'idée pour choisir, soit le garçon, tu fais là. Non, 2023-14-45 là. Oko et sa pensée, Jahalat, l'ignorant, qui les trouve sur madame qui justifie. Oko et c'est ce qu'ils ont dit, hein? Madame là, quand enceinte, troisième, quatrième, il est enceinte avec un stress. Ton chum aurait une troisième petite fille encore. Parce que mon mari qui est intelligent, il ne peut pas comprendre c'est Allah qui donne ça qu'il y a ou les vrais. Il ne peut pas comprendre. Plus encore, l'État ou pas le gars belle, mais pour venir mettre ce bout là-dedans. Moi, je dis, Daddy, il y a une Daddy garçon. Quand tu dis, quand tu dis, Daddy, comment tu dis, pas tendu. Il est comme ça, hein? Ça, les bons gars, non, comment vivre là? Après, tu peux évoluer. Évoluer ta mentalité avant. Arrête ça dans le système premier, le deuxième lot là. Arrête de tous tes enfants, tes filles, inférieurs comparés à tous tes enfants, garçons. C'est Allah même qui nous crée, qui nous donne, qui nous choisit tout ça là. Tu peux pas choisir toi. Sa belle fille là, tu peux pas choisir. Ton madame, tu peux pas choisir, pas de qui choisir ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanallah wa ta'ala amma yushrikoun. Mais quand tu es là, quand tu es là,
Chez Clavin, quand tu peux quoi, madame qui décide ça. Allah qui décide ça. Quand tu peux quoi, ton mal choisi date pour gagner relation. Qui te peut quoi, on gagne la ligne ça? Pas la pêche poisson ça, plein de lignes, tu gagnes plein. Et pas comme ça. Parce que si quelqu'un dit, ah, il y a quoi tu fais chier là-dedans là? En toi, on peut faire shirk. Parce que toi, quand tu trouves tes petits enfants, toi, quand tu trouves tes petites filles inférieures comparées à tes garçons, tu as oublié que tous les dés Allah qui donnait et c'est lui qui choisit pour donner ça là. Et tu n'as pas choisi ça. Pas toi qui choisis. Hein. Toi, quand tu trouves. Ouais, mais qui fait un nom, il a toutes les filles. On sait que tu peux les venir, non? Ça qui peut les venir, frère. Déjà, tu n'as pas de dire, tu n'as pas de cause. Mais en dans toi, ça qui est là, qui te peut cacher là, là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Ton est au robe là, là, ton robe là, ton robe là. L'icône qui te fait cacher et qui te fait apparaître. Vous dites ça, ben, rôle, soit disant, extra content, mon revient l'anime, extra content. Tu vis encore. Même tu n'as pas cause lui ici. Allah connaît ce qu'on dit. Allah subhanahu wa ta'ala amène lui en général. Ça qui te cache de ton estomac. Ou bien te fait lui apparaître. Pour Allah lui parer. Gette là son principe. Gette son caractéristique, gette son suffrage, gette son qualité. Nous ne vous disons ça cachette, ça apparaît. Pour Allah tu es pareil. Pour Allah tu es pareil. Te penser. Te vu, te lui, te écouter, ça qui te fait envie de dire, ça qui te fait garder dans les qui est là, Allah déjà compte tout, papa, qui te fait cacher. Il déjà compte tout. Si un dimon récit comprend ça, cher frère, il suffit qu'il y ait une qualité pareille depuis au Créateur. Fait lui songe beaucoup de choses dans lui. Quand le plus grand travail qu'il y en a, c'est quand un dimon travaille lui-même. Aujourd'hui, nous avons amélioré beaucoup de situations. Et mon refaire bureau contre moi, et mon refaire le tout, et mon refaire l'atelier, il dit bon. Mais seulement toi, quand tu refais toi. Quand tu updates toi, tu assises, tu guettes toi-même, tu analyses toi-même, tu passes toi d'un extrait, tu commences à corriger ban erreur qui tient là, qui est un manquement, tu commences à améliorer toi-même. Travaille toi-même avant. Ça pour amener toi pour gagner plus de profit qui te travaille, tu travailles. Quand tu travailles, tu gagnes casse. Mais pour combien de temps? Mais quand tu travailles toi-même, ça prend même temps que plus qui casse qui est dans la valeur. Donc ça c'est un rappel, chers frères et sœurs. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fin permet nous d'entendre dans la Mazécha, quand l'imam fin amène sur la 28, sur Al-Qasas, Al-Qasas qui veut dire ban histoire.